Salut à tous, c'est Kevitrack, j'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau tour de magie expliqué, un tour de magie différent de d'habitude, c'est un tour de magie 100% interactif. C'est-à-dire que vous allez participer au tour de magie en même temps que vous allez regarder la vidéo. J'espère que ça va vous plaire et sans plus attendre, on passe tout de suite à la démo du tour et après les explications. Allez, c'est parti. Donc pour ce tour de magie, comme vous le voyez, on aura besoin d'une horloge. Donc moi j'ai dessiné l'horloge, donc voilà, c'est pas très bien dessiné, mais bon, c'est mieux que rien. On a juste ici une belle horloge. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir une heure sur cette horloge. Ça peut être vraiment n'importe laquelle. Donc voilà, je vous laisse le temps de décider. Vous choisissez une heure, c'est bon, c'est fait, c'est bon, nickel. Donc vous, maintenant, vous posez votre doigt sur cette heure. Imaginons, vous choisissez 10 heures, bah vous posez votre doigt sur le chiffre 10. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le passé de 4 heures. C'est-à-dire que vous remontez dans le temps de 4 heures. C'est-à-dire que si, imaginons, vous étiez sur le chiffre 11, vous faites, si vous étiez sur le chiffre 11, vous faites 1, 2, 3, 4, comme ceci. Vous arrivez sur 1 heure. Moi, c'est 7 heures. Donc, vous avez votre nouvelle heure. Voilà, vous la retenez. Vous avez donc choisi une heure. Vous avez reculer dans le temps de 4 heures et vous êtes tombé sur 7 heures. Si vous la retenez, vous retenez 7 heures et maintenant vous allez dans le futur de 11 heures. Donc imaginons que vous étiez sur 3, et bien vous allez dans le futur de 11 heures, donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là vous tombez sur un nombre, un chiffre, une autre heure. Moi je suis tombé sur 2 heures, voilà, c'est vraiment une heure n'importe laquelle. Et maintenant ce que vous allez faire, c'est vous allez remonter une dernière fois dans le passé de votre heure de départ. C'est à dire que si vous aviez choisi comme moi au début 10h au tout début, et bien vous allez reculer de 10h. Donc moi j'ai choisi 10h, du coup je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'arrive sur une nouvelle heure. Donc voilà, je vous laisse le temps de le faire. Vous prenez votre heure où vous êtes rendu et vous reculez dans le passé de l'heure que vous avez choisie au départ. Donc là, vous êtes tombé sur une heure. C'est la dernière heure que vous gardez dans votre tête. Voilà, c'est tout. C'est celle-là, c'est une heure aléatoire. Vous la gardez dans votre tête et vous la retenez bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je porte juste ici une petite montre. Voilà, on va l'enlever pour voir à quelle heure c'est indiqué dessus. Et regardez bien. Si on regarde sur la montre, il y a tout simplement l'heure de 7 juste ici. C'est tout simplement arrêté sur 7. La montre ne marche plus et elle est pile arrêtée sur 7 heures. Donc je pense que c'est l'heure sur laquelle vous étiez rendu. Voilà, on voit bien, c'est pile 7 heures. Donc voilà, c'est l'heure exacte normalement sur laquelle vous étiez rendu. Je vous ai mentalisé. Donc on passe tout de suite aux explications de ce tour de magie plutôt impressionnant où vous avez choisi 7 heures. Donc pour ce tour de magie, vous aurez donc besoin d'une horloge pour faire ce tour. Voilà, vous pouvez la dessiner comme moi. Et vous aurez également besoin d'une montre ou un petit truc pour révéler, pour la fin du tour, pour révéler l'heure numéro 7. Voilà. Donc vous prenez n'importe quoi. Moi, j'ai pris une montre qui ne fonctionnait plus. Et je l'ai mis pile en arrêt sur 7. Voilà, vous pouvez faire comme moi. C'est très stylé pour la fin du tour. Comme on prend la montre et on montre qu'elle est sur 7 heures. Voilà, c'est assez stylé pour la mise en scène. Mais après, vous faites comme vous voulez pour révéler l'heure du chiffre 7. Donc, comment faire ce tour? Tout simplement, vous avez juste besoin d'une horloge, comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est totalement automatique. Le tour de magie est 100% automatique. Vous avez juste à suivre les instructions que j'avais dans la démo. Donc, tout simplement, vous choisissez une heure, n'importe laquelle, imaginons 2 heures. Ensuite, vous reculez de 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous avancez de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, vous tombez sur 9. Et vous reculez de 2, celle que vous avez choisie au départ. 1, 2. Et vous tombez toujours sur 7. C'est automatique. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Totalement automatique. Et ça, c'est cool parce que le tour de magie, vous n'avez aucune chance de le rater. Donc voilà, je vous remontre. Retenez bien ces étapes. Donc, vous choisissez une heure. Vous la retenez, le 3. Vous reculez de 4 heures. 1, 2, 3, 4. Il faut bien retenir toutes ces étapes. Hein. Ensuite, vous avancez dans le futur de 11 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous reculez de l'heure que vous avez choisi au départ. Moi, j'avais choisi 3. Du coup, je recule de 3. 1, 2, 3. Et on tombe sur 7. Obligatoirement, vous n'avez plus qu'à révéler la petite montre avec écrit 7 heures. Et le spectateur est normalement impressionné. Et ça, c'est super cool.
Et surtout, ce tour de magie-là a vraiment un beau point positif, c'est qu'il est totalement automatique, du coup, vous n'avez vraiment aucune chance de rater. C'est un super tour impressionnant et il est vraiment automatique. Et ça, c'est très, 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 très cool. Et du coup, c'était le tour de magie, j'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, c'était un petit tour de magie, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications et surtout me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire d'autres tours de magie interactifs comme celui-ci. C'est vraiment des super tours de magie à travers votre écran. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas une vidéo le mercredi et le dimanche à 16h et exceptionnellement pendant les vacances, une vidéo du lundi au vendredi à 16h. C'était Camille Trax, allez, salut !